Bon les gars, c'est votre gars Ben Verson, en direct de la Polo. Ciao les gars. Ciao les frères. Ah lâche-moi bête. Salut l'équipe, c'est votre gars Ben Verson, en direct de l'aéroport de Genève. Direction la direction. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour de la Ligue 1, Nice contre Paris. Vous allez suivre avec moi ce petit vlog. Bisous. Waouh, l'équipe en direct de Nice. Soleil plein, ça tue. Le voyage il s'est bien passé encore une fois. Merci EasyJet pour les travaux. Même si l'atterrissage il était vraiment un peu douteux aujourd'hui, vraiment douteux. Douteux l'atterrissage. Vas-y, on se revoit après l'équipe. Ok l'équipe, c'est votre gars Ben Verson en direct de l'autoroute. Totalement avec MP. MP c'est comment? Tranquille hein. Ah gars. Ça va. C'est n'importe quoi la vérité. Avance dans mon match de fou. Les routes elles sont kéblo. Là on va en direction du stade, on va voir un peu ce que ça donne, l'Alliance Rivera. Mais ça annonce du beau, ça annonce du beau. Bon les gars, là il n'y a pas du monde. Là, là, là il y a trop de monde. Là on est à 45 minutes à peu près du rendez-vous. Je vous jure, les routes elles sont bloquées, c'est n'importe quoi. C'est hardcore. Là t'as tous les supporters niçois qui marchent en direction du stade. On a dû sortir de l'Uber mec. Sur l'autoroute. T'es malade. Sur l'autoroute en plus, ça c'est pas comme si j'étais en état, comme vous pouvez le voir. Mais c'était une dinguerie, c'était une dinguerie. Laisse tomber, les gendarmes ils nous ont vus, ils nous ont rien dit du tout frère. Carrément ils nous ont guidés pour trouver le stade. Non c'est n'importe quoi je vous jure. Mais ça annonce du beau. Je sens que aujourd'hui on va assister à un gros match. T'en penses quoi MP? Je pense la même. Je sais pas pourquoi. Un petit jeu je pense. Bon, on se rejoint dans le stade les frères. Bon l'équipe, je vous reprends juste avant le début du match. Honnêtement, je sais que je répète tout le temps ça, mais c'est une ambiance de malade. Il n'y a pas de supporters parisiens, que des supporters niçois. Le terrain, il est plein. Enfin, le stade, il est plein. Des drapeaux niçois partout. Carrément, frère, on est matrixé. Non, ça tue. On est prêt. MP, un message. Étonné. Je m'attendais pas à ça, vraiment. Incroyable. Allez, top. Il est rentré le ballon là. Il est rentré le ballon.
Ah non, c'est pas mérité, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Trois occasions. Enfin, deux buts et l'arrêt de Schmeichel, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont eu dans le match. Après, ils ont été réalistes. Ah ouais, ils ont un bon gardien. Bon les gars, fin du match, ça vient de se finir là. Honnêtement, je vous fais un petit retour du match. Je suis désolé, j'ai pas fait le retour à la mi-temps. Du coup, il y aura que la conclusion du match. C'était un très beau match, un match de foot. Des deux côtés, ça jouait. Nice, ça faisait bien tourner le ballon. Le PSG aussi. Nice, ils nous ont proposé un très beau jeu, bien construit. Après, malheureusement, je crois, il y a combien de poteaux, MP? Deux poteaux. Deux barres, deux poteaux. Un but non validé à des centimètres. Et surtout, du côté Paris Saint-Germain, ils ont puni. Dès qu'il y a l'occasion, Messi, bam, ciao. Corner, Ramos, bam, ciao. Fin des débats. Et même carrément, ils peuvent tuer le match. Ils peuvent tuer le match avec Mbappé. Malheureusement, ils chipotent un petit peu et ça rentre pas. Du coup, 2-0, mais très agréablement surpris par cette équipe niçoise. Si je fais mon top 3 des joueurs de ce match, je mets Khéphren Thuram. Malgré le fait que Nice, ils ont perdu, il a fait un match, mais il était impressionnant. Chaque prise de balle, il était... Pouah, je sais même pas quoi dire. De plus, après, dans les tops, je mettrais Vitinha. Grosse activité sur le terrain, travail de l'ombre. Et dans le dernier des tops, je mets Donnarumma, parce que... Honnêtement, tant il peut faire des boulettes qu'aujourd'hui, zéro boulette. Et pour les flops, j'étais vraiment déçu en fait de Terem Moffi. Je m'attendais à voir le fameux attaquant qu'il y avait à Lorient, tueur et tout, mais pétard mouillé. Et Pépé aussi, Nicolas Pépé, honnêtement, à Nice, c'est une saison compliquée. Et là, ça s'est résumé pendant ces 90 minutes de jeu. Beaucoup de prises de choix un peu bizarres, ça fait un peu penser à Saint-Maximin. Mais bon, voilà, c'était pour moi. Je sais pas, MP, si tu veux rajouter quelque chose. Non, t'as tout dit, je pense, c'est bon, en vrai. C'est dommage, beau match, magnifique, et... pas grand chose à dire, hein. C'est dommage pour Nice, vraiment, ils auraient mérité plus, surtout avec leurs deux barres là, dommage. Après l'ambiance par contre, l'ambiance du début jusqu'à la fin, c'était le fuego, vraiment ils m'ont régalé les Niçois. Et du coup on était côté supporters niçois parce que tout le stade c'était 100% niçois, et des barres les gars, les supporters niçois c'est des bons, vraiment super sympa et tout. Et je pense honnêtement, j'hésite à aller voir le match Bâle-Nice, à Bâle, et on verra gentiment, ou sinon j'ai voir le match retour Nice-Bâle ici, mais c'était une ambiance vraiment vraiment pas mal. Bon, bisous les gars, on se retrouve au prochain vlog pour le prochain match, potentiellement, bon je voulais spoil, mais Bâle-Nice ou un autre match, bisous. Yo l'équipe, en direct de l'aéroport de Nice, fin du séjour, honnêtement c'était court. Contrairement à celui de Manchester, je pense que vous n'aurez pas trop de. Comment dire, pas trop d'images. Parce qu'en vrai, j'ai pas fait grand chose. Et ce que j'ai fait, bah, malheureusement, ça ne pourra pas être mis dans le vlog. J'aurais bien voulu. Je suis allé voir lui deux. Malheureusement, j'ai pas pu rentrer à l'intérieur. C'était fermé à cause de Pâques. Du coup, je me note dans ma liste de stades à faire, passer à lui deux. Pour pouvoir le voir. Et puis en réalité, vraiment de l'extérieur, c'était vraiment pas beau. Je vous dis la vérité, je dirais un bâtiment où au milieu est un stade. Mais bon, on va voir. Prochaine destination, du coup, c'est Catane. On va aller voir le stade de Catane, l'équipe de foot, en Sicile. Et puis après, sûrement, ce sera un match suisse. Et on va essayer de gratter des tickets pour la finale de la Coupe Suisse. On va voir entre Lugano et Young Boys. Bisous, l'équipe.